À la sortie de l'église, les mariés étaient contents, heureux de voir la famille célébrer cet événement. Ils prirent place dans un carrosse tiré par quatre chevaux pour les emmener à la noce. Vu que le temps était au beau, la voiture était trop dure, les roues faisaient que de couiner. Le marié, ça j'en suis sûr, a engueulé le cocher. Cocher, va doucement, retiens tes chevaux, on a le temps. Les roupettes, elles vont casser, vous auriez dû les graisser. Du calme, dit le cocher, si elles pètent, je vais les huiler. Mais faites attention que cette nuit, que les vôtres soient graissés aussi. Mais après un bon repas, c'est de tradition je crois, fallut tirer la jarretière, la mariée était très fière. Le garçon d'honneur très fripon la chatouillait sous le jupon, car pour trouver la jarretière tripotait la jambe entière. La mariée ne disait rien, lui mit la main dans le bon chemin. Mais le garçon voyait le tableau, avait la main un peu haute. Voyons, t'es trop loin, farfouille pas dans tous les coins. Ma jarretière, elle n'est pas là, regarde où que t'as mis ton doigt. C'est long, mais c'est bon, ah, continue mon garçon. Te gêne pas, tu peux grimper, non, y a pas de toile d'araignée. À la fin de la soirée, le marié avait trop bu. Voulant rentrer pour se coucher, la porte était un peu dure. Sa femme lui dit à une clé, faut la mettre dans le trou, c'est sûr. Il dit, j'ai beau essayer, je trouve pas le trou de la serrure. Faut dire qu'il avait bien vu, je crois qu'il était un peu gris. Quand la mariée est venue pour l'aider à s'en sortir, ah, donne-moi la clé, à mon tour je vais essayer. Ah, ça y est, créneau de nom, elle trouva la solution. Ah, c'est pas trop tard, nous voilà dans le plumard. Oui, vraiment, on y a mis le temps, mais on est quand même dedans.